nous passons à notre frère Mathias Matalatala, né à Kinshasa le 16 novembre 1967, de papa Matalatala Floribert, puis à son âme, que le Seigneur le garde, et de maman Kikumbu Françoise, puis à son âme aussi. Il a reçu le Seigneur en 2004 au ministère évangélique de la gloire de Christ, du docteur Joseph Souzouzi. Il a servi plusieurs années au département de l'intercession. Il est venu en France en 2012. Venu en France en 2012 à Saint-Étienne, il a aussi travaillé avec le prophète Carole qui était assis là parce qu'il part à Kinshasa. Là, il va prendre son vol à 20h. Il a servi là-bas et il va venir à Paris en 2013. Je me souviens encore de son arrivée à l'église en 2013 au Centre évangélique de la Trinité France. Il a aussi travaillé plusieurs années jusqu'à ses jours à l'équipe d'intercession. Amen, hein? Amen. Et en janvier, le Seigneur nous avait mis à cœur de le mettre comme assistant pastoral. Il a œuvré auprès de moi jusqu'à ses jours. Un frère fidèle qui aime le Seigneur. Il est marié à Obalo Ndambe. Excusez-moi d'avoir parlé à Lingala, mais j'aime beaucoup cette phrase-là. À un moment, ça dit, ah, il peut s'élever. On a clamé le Seigneur. Amen. Amen. J'invite le bien-aimé de passer devant. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 11, celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Alors le Seigneur en ces jours, pour préparer son peuple, il a choisi dans le ministère notre bien-aimé frère Jean-Claude Mateta et son épouse. Il a choisi aussi notre bien-aimé Mathias Matalatala et son épouse. Le but de ces choix, c'est pour bâtir le corps du Christ, pour apporter une unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Et le Seigneur les a choisis pour enfin qu'ils amènent les saints à la maturité et à la plénitude de Christ. Je demande aux bien-aimés qui ont leur portable de les retourner à leur place. Seulement les photographes, les caméramans de l'église qui sont autorisés. Si vous voulez prendre des photos, prenez-les de l'autre côté. Si c'est de l'église, restez là où vous êtes. Cette grâce que le Seigneur vous a fait, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'a pas été soit le fruit de la pensée d'un homme, mais c'était le Seigneur lui-même qui vous a choisi pour vous mettre à part afin de diriger cette assemblée. Nous croyons à la grâce et à la force que le Saint-Esprit vous accorde pour que vous puissiez exercer ce ministère. Amen. Je vous laisse la parole à tous les rôles pour que vous puissiez lire les textes que vous avez. Engagement pastoral. Moi, Jean-Claude Mateta Makanda Nakita Nzeyo, choisi et appelé par Dieu à l'exercice du ministère dans le corps du Christ, conscient de la mesure de la charge qui m'est confiée au moyen de la grâce, déclare librement l'avoir accepté. En ce jour solennel, devant Dieu, et l'Église, je m'engage publiquement à prêcher sans compromission et avec entière dévotion tout l'Évangile et rien que l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ mort, ressuscité et il revient bientôt. Amen. Selon les enseignements récits de mes pères dans la foi. Amen. À demeurer dans la sainte doctrine biblique et m'attacher fidèlement à la confession de foi des assemblées de Dieu sous l'autorité suprême du Saint-Esprit et le contrôle bienveillant de mes pères dans la foi.
à servir Dieu avec crainte et sanctification, moi et ma famille, et veiller en tout temps et en tout lieu à ce que rien dans ma vie biblique ou privée ne jette l'opprobre sur le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, ni sur l'image de son Église, ni sur le témoignage de la communauté ecclésiastique à laquelle j'appartiens. En fin de quoi, humblement, je signe le présent acte d'engagement scellé de l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Fait à Argenteuil le 2 novembre 2018 pour l'Église, le Centre évangélique, la Trinité, France et le celui de Paris. Merci. Du ministère dans le corps de Christ, conscient de la mesure de la charge qui m'est confiée au moyen de la grâce, déclare librement l'avoir acceptée en ces jours solennels devant Dieu et l'Église. Je m'engage publiquement à prêcher sans compromission et avec entière dévotion tout l'évangile et rien que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité et qui revient bientôt. Selon les enseignements reçus de mes pères dans la foi, demeurer dans la sainte doctrine biblique et m'attacher fidèlement à la confession de foi de l'Assemblée de Dieu sous l'autorité suprême du Saint-Esprit et des contrôles prévenants de mes pères dans la foi. Servir Dieu avec crainte et sanctification, moi et ma famille, et veiller en tout temps et en tout lieu à ce que rien dans ma vie publique ou privée ne jette l'opprobre sur le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ni sur l'image de son Église, ni sur les témoignages de la communauté ecclésiastique à laquelle j'appartiens. En foi de quoi, humblement, je signe le présent acte avec l'engagement scellé de l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur notre Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, fait à Argenteuil le 4 novembre 2018 pour l'Église des Centres évangéliques de la Trinité, France, Paris. Merci. Nous prenons acte de votre engagement et nous prions le Seigneur que le Saint-Esprit vous accompagne pour que vous puissiez respecter la parole de Dieu dans toute sa totalité. Je vous invite de vous mettre à genoux. Comme toi, tu sais, sois sur le plan de chacun d'entre nous.
Simplement, nous voulons reconnaître que toi, tu avais choisi en eux dans les secrets. Alors, Père, l'homme le péché donné ce qui est là, et en qualité de ton serviteur, j'approuve ce que toi, tu avais choisi en secret. Ensemble avec tes collèges de pastoral sur les doigts, nous déclarons sur les doigts que ta faveur ne s'en souffre. Je sais, Père, que c'est un travail difficile. Voilà pourquoi j'associe le Saint-Esprit pour les accompagner dans leur parcours. Désormais, Seigneur des gloires, que rien ne puisse s'opposer sur leur chemin. Parce qu'avec toi, ils marcheront de victoire en victoire et de gloire en gloire. Je transmets au Père une faveur particulière, une onction spéciale dans ton service au maintenant, Seigneur. Laisse le Seigneur des gloires. Que l'intégration au Père des gloires dans ton œuvre, dans ton ministère, s'efface avec son accord, Saint-Esprit. Sans toi, ils sont rien, mais avec toi, ils sont plus que vainqueurs. Désormais, au Père, j'ordonne, mon Dieu, qu'à chaque fois qu'ils se trouveront devant une porte, vous fermez la clé spéciale du Saint-Esprit que je dépose dans leurs mains, les aide à jouer. Là où ils seront limités par leur intelligence, tu seras là pour intervenir. Et là où, oh mon Dieu, pourquoi le diable ne t'apprend un piège, toi tu seras là pour le surmonter. Qu'il soit rempli maintenant de ta faveur. Qu'il soit rempli de ta présence. Qu'il soit rempli de ta gloire. Qu'il nous ait conduit ainsi que leur Père a commencé. Que la faveur de Dieu nous accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette ordination soit prise. Dès à présent, dans le nom de Jésus-Christ, nous nous avons cessé. Je t'ai dit que si nous serons sur la terre, le ciel c'est avec conviction sur les gloires, que cet acte prenne fait dès à présent. Et désormais, Seigneur des gloires, marche avec nous de victoire à victoire et de gloire à gloire. À ton nom, j'espère. Gloire à Dieu. Merci infiniment, Seigneur. La Bible déclare qu'ils sont beaux
les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Nous prions, Seigneur, touche leurs pieds, touche le ministère, touche leurs mains, remplis de ta puissance, ton feu, et donne le Seigneur de grandir haut et fort, papa, afin que le monde soit rempli de ta connaissance. Merci, merci, merci d'arroser leur vie, merci de bénir le ministère. Saint-Esprit, sans toi, ils ne peuvent pas. Sans toi, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous disons merci, toi, qui as préparé depuis des années. À ce jour, nous prions et tu apportes la touche particulière. Tu permets, Seigneur, c'est la déclaration sortie de leur bouche, qu'ils soient trouvés loyaux devant le ciel, loyaux dans ton règne, dans ton royaume. Gloire te revient, Seigneur, pour ce jour. Merci de bénir leur vie. Merci de toucher leurs mains. Merci de toucher les têtes. Seigneur, merci de les conduire. Merci de les propulser. Donne-leur, Seigneur, de comprendre l'importance, la tâche et de la paix. Et le privilège qu'ils ont d'être ministres de l'évangile. La grâce qu'ils ont de servir à la gloire du roi de gloire. Du Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le plus beau parmi mille. Seigneur, merci pour la vie que tu as reçue. Je donne, Seigneur Dieu, le droit de voir qu'aussi près qu'ils ont accepté ton évangile, le ciel leur sera bénévole en toutes choses. Merci de la provision et merci de l'approvisionnement de chaque jour. Que toute la gloire te revienne. Tu nous as prouvé que tu servis des privilèges. Donne-leur à toi aussi de témoigner que servir à ta gloire est un véritable privilège. Privilège des nations, privilège partout, au prix du sang de leur vie, au prix de leur engagement, au prix de toute leur vie. Seigneur, donne-leur comprendre. Et tu permets, Seigneur, un jour, qu'ils puissent leur dire, bon et fidèle serviteur, entrez la joie de votre maître. Merci de le faire paix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu et notre roi, nous voulons te dire merci et te rendre grâce. Parce que tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qui est le Père, le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson? Seigneur, ce qui manque aujourd'hui, ce sont des serviteurs. Parce que la moisson est grande. Quand les gens viennent vers toi et ils prennent l'engagement de te servir, éternel, ça répond à la prière. Laisse que Seigneur, mon frère et ma soeur, et mon frère et ma soeur aussi, à droite, puissent être regardés par toi comme une réponse à cette prière. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il ne faut pas que les troupeaux manquent de bergers. Seigneur, merci pour le frère Mathias, le frère Jean-Claude, avec l'appui de leurs épouses. Nous venons te dire merci aujourd'hui de les mettre à part. Alors que nous étions en train de suivre la prière de tes serviteurs, en nous demandant qu'est-ce que nous devrions dire dans cette prière, tu nous as demandé de les rappeler qu'un jour les disciples étaient venus voir le Seigneur. Ils ont posé la question, qui est le plus grand parmi nous? Tu as dit, le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Que mes frères, Seigneur, comprennent qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne sont pas devenus grands, mais ils sont devenus petits. Parce qu'ils se mettront au service des autres. Dans ce royaume, la grandeur vient par le rabaissement. Dans ce royaume, la grandeur vient par le service.
Dans ce royaume, la grandeur vient par se diminuer chaque jour. Seigneur, laisse l'Éternel alors qu'ils vont se rabaisser pour se mettre au service. Que toi qui as dit, abaissez-vous, et le Seigneur vous élèvera, que ce soit toi qui les élève. Seigneur, nous prions, Éternel, au Dieu de gloire, que tu les assistes, Seigneur. Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas quelque chose de simple. La Bible dit même toi-même, quand tu étais sur la terre, beaucoup t'ont quitté. Ils n'ont pas voulu continuer. Seigneur, je prie Éternel au Dieu de gloire, que tu assistes, Seigneur, mon frère. Que tu puisses l'assister par l'esprit et que tu l'assistes par la parole. Je prie Éternel au Dieu, que tu fasses de lui un modèle pour les fidèles. Dans la foi, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la conduite, dans la moralité, dans l'attachement à l'œuvre. Mais je prie aussi Éternel, oh Dieu, que tu l'assistes par l'onction de Dieu. Il ne pourra pas le faire par lui-même. Il a besoin de l'onction de Dieu. Il a besoin de l'huile sur sa tête. Il a besoin, Seigneur, de la puissance d'en haut. Il a besoin, Seigneur, de l'esprit d'intelligence qui va l'amener dans les profondeurs de Dieu et qu'il va partager à ton peuple. Il a besoin de l'esprit de sagesse qui va, Seigneur, l'aider à résoudre les problèmes. Il a besoin de l'esprit de conseil qui va souffler à ses oreilles pour orienter l'œuvre de Dieu. Il a besoin de l'esprit de puissance pour que par la parole et la prière, le malade soit guéri et les démons chassés. Il a besoin de l'esprit de crainte de Dieu pour être modèle. Seigneur, il a besoin de l'esprit de sainteté. Seigneur, libère ton onction dans sa vie. Libère ton onction dans sa vie. Libère ta puissance dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que les dons de Dieu dans sa vie soient encore plus activés pour qu'ils soient au service de ton peuple. Au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur mon Dieu pour mon frère. Tu as dit dans ta parole, deux valent mieux que un. Seigneur, laisse l'Éternel, oh Dieu, que tu bénisses ton serviteur. Laisse que tu l'aides à être, Seigneur, une bonne aide. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu te souviennes de lui. Qu'il forme une équipe. Nous refusons de voir en eux la division. Nous refusons de voir en eux la compétition. Nous refusons, Seigneur, que l'ennemi vienne passer au travers d'eux. Tu les as appelés deux, Seigneur, qu'ils marchent ensemble. Qu'ils se complètent, Seigneur. Laisse que ce qui, oh Dieu, manquera, Seigneur, à ton serviteur Jean-Claude, que Mathias ne manque pas ça. Parce que tu as dit, l'œil ne peut pas entendre, c'est l'oreille qui entend. Tu as dit, l'oreille ne peut pas voir, c'est l'œil qui voit. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, que tu libères l'onction dans sa vie. Augmente encore cette onction. Augmente encore cette onction. Je prie particulièrement pour un esprit de sagesse. Relâche cette onction, Seigneur, dans sa vie au nom de Jésus. Rébassant dans la bâche qui est récente. Je vois, Seigneur, comment tu fais de lui un homme sage. Je vois, Seigneur, comment tu fais de lui un homme opposé. Je vois comment, Éternel, mon Dieu, sa présence et sa parole va commencer à calmer, à rassurer et à orienter, Seigneur. Je vois comment, Éternel, mon Dieu, tu fais de lui un bon soutien, Seigneur, mon Dieu, pour les pasteurs. Remplis son cœur de sagesse et d'instruction. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, déverse ton onction dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci de le bénir, Seigneur. Nous prions pour leurs épouses.
Et nous te disons merci, Seigneur, pour ces servantes. Laisse que Seigneur te bénisse leurs épouses pour cette charge que tu viens de placer aussi sur leurs épaules. Je prie, éternel, au Dieu de gloire, que leurs épouses soient des femmes qui se tiendront à la brèche pour les mains. Je demande une onction particulière dans la prière. Je demande la capacité de voir dans l'esprit. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu fasses de ces épouses des guerrières dans la prière. Qu'ils soient des femmes qui vont prier pour leur mari dans les soucis de l'œuvre de Dieu. Je prie, Seigneur, que ce soit des femmes qui vont faire en sorte que leur mari soit meilleur dans le ministère. Mais ne pourront le faire que par ce que tu vas leur donner. Alors donne maintenant. Déverse la sagesse. Déverse l'onction dans la prière. Déverse la capacité de voir et d'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir ton serviteur. Pasteur Jean-Claude, merci de bénir ton serviteur, le pasteur Mathias, qu'il te serve avec fidélité et que dans tout ce qu'il fait, qu'il se cache et qu'il laisse la gloire à celui qui a médité, qui est Jésus-Christ. Toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Je connais ton ministère, pasteur. Je vous présente votre pasteur titulaire, Jean-Claude Mateta. Centre évangélique de la Trinité de France. Je vous présente votre pasteur adjoint qui assistera votre pasteur Jean-Claude Mateta. Pasteur Mathias Matalata. Désormais, du haut de cette chair, je reste votre père spirituel, votre papa, mais je ne suis pas votre pasteur ici. Que le Seigneur vous bénisse.
Chante à André parce qu'à la fin de notre symphonie, mais nous avons une collation, nous avons prévu. Donc on va mettre une table après le culte où il y a quelque chose que l'Église a prévu pour vous. Amen. Alors vous allez profiter de cette occasion. Thank you.
Thank you.